qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'île 3. On va voir le moustachu. Vas-y loup. Petite vidéo vlog aujourd'hui où on va aller découvrir le stade de Lille où aucun de nous trois n'a été. Donc voilà, on va découvrir ça pour un gros match. Hein. Ça, c'est du niveau Ligue des Champions, hein, direct. Donc Lille 3. Voilà. À l'origine, quand on s'était lancé dans le projet, on voulait aller voir Lens PSG. Hein. Oui, le niveau a dégradé. L'ascenseur émotionnel, ouais. Il s'est crashé. Il n'est pas arrivé au zéro, il est encore plus bas. Sachant que la semaine dernière, on a quand même fait Metz-Montpellier. Bah non, c'est la même semaine après. Oui, c'est vrai, c'était la même semaine, juste, exactement. Merci de me reprendre. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère au moins des buts, hein, parce qu'on n'est pas du tout du coin de Lille. Hein. Pour vous faire une idée, on a 2h30 de route. Donc voilà, on va voir ce que ça dit. Ça reste le secteur quand même. Vite fait. Vite fait. Allez, salut, il nous a saoulé. Bon, sinon les gars, petit prono. Mal, vas-y, dis-nous. 2-1 ou 3-1. Ouais. Avec but d'Adil Rami sur corner pour 3. En célébrant comme ça. Oui, c'est un beau but. Ok. Dylan. Moi, 2-0 pour lui. Ok. Et moi, je dirais 3-0. On va prendre 2 buts, les gars, contre 3. Oh. C'est bon, à part les magasins de déstockage, ils ont quoi? Et voilà, ils ont rien. Voilà, on a déjà tout le public croyant à dos. Voilà. Merci. On les salue. Hein. La neutralité, ça n'existe pas chez les Donc voilà, on va voir qui a raison. C'est pas gagné. Champion! Les gars, on a une mauvaise nouvelle. Adil le moustachu n'est pas là. C'est grave. Bon les gars, on sort du match,
Victoire de Lille 2-1, un avis. Un avis sur quoi déjà? Franchement, sur le jeu proposé. Dégueulasse. Sur le jeu proposé, le match de Metz-Montpellier qu'on a vu dans la semaine était largement mieux. Était largement au-dessus. Clairement. Déchets techniques. Sanchez, ça te fait enculer. Nul le mec. Nul, nul, nul. Incroyable. Franchement, ils ont pris un but dès le début, 5 premières minutes. Une belle volée. Un beau but. Non, franchement, un beau but, ça va. Un beau but. Mais après, franchement, toute la première mi-temps, ils ont rien fait, mais absolument rien. Un échec total. Et ils ont fait rentrer Jonathan David de début de deuxième. Ça qui a vraiment, changé le match. Ça a vraiment fait basculer le truc. Clairement. C'est lui qui a vraiment porté sur toute la deuxième mi-temps. Et même un 1-1, franchement, il poussait pas. Il n'y avait pas de pressing, rien du tout. À croire que ça se contentait du 1-1. Voilà. Limite, ils étaient contents avec ça. Pour une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui est en 8ème, franchement ça fait flipper. Hein. Vraiment. Et puis bah, par miracle, à la fin, ils en marquent un deuxième. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, d'où ça vient, mais bon, voilà. Tant mieux pour eux. Ouais. Après, franchement, point positif, le stade. Ouais. Le stade Pierre Mauroy, franchement, bien isolé. Rien à dire. Bien isolé. Bien isolé, ils ont mis de la laine de verre de 200 partout. Ah, franchement, grave bien, il est super beau. Une ambiance quand même pas mal pour un petit match contre 3 en vrai, hein. C'est pas non plus. Dans les gros matchs contre Paris ou Derby contre Lens et tout, le match contre Lyon, ça doit être. Ouais, ça doit être quelque chose. Ça doit être intéressant. Chants, hein, parce que le la 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 et lolo, c'est bon. C'est vrai, mais bon, franchement. Bah, bon, hormis ça, après les gens dans le public et tout, ça va. Super sympa, rien ouais. À dire, super sympa. Les grands drapeaux à éviter. Il y a un mec qui s'est fait insulter tout le match parce qu'il était avec son grand drapeau. Bon, après, hormis ça, bah, tu vois que c'est un stade moderne, 50 000 places. Bon, après, de toute façon, pour une équipe de Ligue 1 qui fera un petit peu de match en Ligue des Champions, il faut pas plus. Non, c'est bien. Ça sert à rien d'avoir. Franchement, plus. Non, c'est bien. Gros point positif, la bouffe. Ah ouais, 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 c'est un... ah, franchement, la buvette est au top, les gars. Au niveau tarif et tout, ils proposent donc quoi. Le menu, c'était quoi? Pizza, panini. C'était une dizaine d'euros, genre avec une boisson. Et franchement, non, super bonne et tout, super vite. Franchement, quoi, 34 euros. Ouais, voilà. 34 euros à 3. Histoire de comparer, les gars, on a été à Metz, hein, vous allez me dire, c'est pas non plus le même standing. On a payé 36 euros, 3 hot dogs de merde. Dégueulasse. Avec 3 petites bières. Avec une vieille sauce dégueulasse. Dégueulasse, non, franchement. La buvette, gros point positif, les gars, bravo. Franchement, non, il faut le dire. En vrai, je suis pas sûr que tous les stades de Ligue 1 soient à ce niveau. En vrai. Bah, après, c'est un stade qui est tout neuf. Puis, ouais. Même en ce qui concerne tout ce qui est. Comment. Tout ce qui est parking et tout, enfin, c'est quand même facile d'accès. Ouais. Directement, tu sors de l'autoroute, c'est directement au stade. T'as pas besoin de marcher des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir. Arrive au stade. Et puis plein de parkings gratuits en vrai. Ouais, franchement, vrai. C'est abusé, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est bien. Super d'accès et tout. Donc en vrai, on vous recommande vraiment. C'est, et en plus, il y a un KFC, stade. McDo et Buffalo juste à côté. Voilà. Vous sortez du stade à 21h, hop, restez, vous allez bouffer. Ouais, c'est vrai. Pour continuer. Donc voilà, quand même, gros point positif. Le match en soi, bon, c'était correct, mais bon, franchement, ils ont pas montré un gros niveau de jeu. On espérait plus. Puis on espérait voir Adil, mais en fin de compte, ah, ouais, le moustachu, quoi. Déception sur ça. Ah ouais, ouais. Oh là là. Ils auraient peut-être gagné hein, avec Adil. Donc, voilà. N'empêche que niveau, on en revient au pronostic. Ouais. C'était bon. Ouais. C'était bon. Franchement, on bien joué. On va se relancer dans les pronos. Putain, ouais. Grave. 4GM, si tu nous vois, mec, on va te détrôner, écoute bien. Donc voilà, les gars, on espère que le vlog vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Sûrement, on fera peut-être un épisode 2 sur un autre stade, je pense. Ouais. Bah, la prochaine étape, ça serait peut-être à Bollard. Ouais. Ou bien un match en Allemagne, on va voir. Peut-être. C'est vrai que vous avez l'air d'être chaud pour un match en Allemagne. On a un match, ouais, franchement ça peut être sympa. Donc voilà les gars, allez ciao. Ciao.